CREFDES a été créée en 2004. Donc l'idée, c'est véritablement de développer l'aspect formation professionnalisante au niveau, n'est-ce pas, de l'université, en particulier de la faculté des sciences économiques et de gestion. On est surtout une université qui doit donc travailler suivant les normes standards académiques et par le biais donc, entre autres, du CREFDES, on a développé des formations professionnalisantes et c'est ainsi que donc le CREFDES a lancé les premières formations. C'était en banque, en finance, ajouté également les formations en statistique, n'est-ce pas, et économétrie. Il y a eu également, bien sûr, au niveau des Master 2, comme gestion administrative qui véritablement s'intéresse à tous les intervenants, notamment de la fonction publique, sur des niveaux de décision, au niveau stratégique. Mais c'est également un personnel qui peut répondre aux besoins des collectivités territoriales. Depuis quelques années, on a plutôt brillé par le volet formation, mais parmi nos défis, c'est véritablement de redonner à la recherche sa place, en tout cas la place qu'elle mérite. Mais on fait également, bien sûr, de la consultance. C'est des offres de services qui peuvent toucher notamment des problématiques liées au développement économique et social émanant des États, émanant des institutions internationales, banques centrales et autres, en licence. Donc première année, deuxième, troisième, on fait statistique et on fait également banque, finance. Ensuite, on a 5 masters, master 1 à master 2. C'est donc en banque, en finance, c'est en gestion macroéconomique, c'est en statistique et en ingénierie statistique. Parce qu'on a des potentialités au niveau de l'UQAD, au niveau du Sénégal, pratiquement que très peu de pays ont. Nous avons donc des étudiants sur certaines formations où il y a beaucoup plus d'étudiants venant de l'étranger que de Sénégalais. J'ai connu le CREFDES parce qu'on me l'a recommandé en fait. Moi, après le bac, je ne savais pas en fait vers où je devais me tourner. J'étais un peu perdue, quoi, comme tous les bacheliers, nouveaux bacheliers, je peux dire. Mais j'ai une ancienne camarade avec qui j'ai fait le DEF au Mali. Donc, c'est elle qui m'a recommandé de venir au CREFDES, quoi. J'ai beaucoup entendu parler de la statistique, de l'économie, mais comme moi, j'ai fait la science expérimentale, je ne savais pas exactement ce que c'était. Donc, je me suis dit, c'était pour moi une nouvelle aventure. Je faisais la découverte, en fait. Je venais pour découvrir, parce que je ne savais pas à quoi m'attendre. Puisque avec la science expérimentale, ma base était au départ la biologie. Donc, je suis venue pour découvrir, en fait. Je sais, j'ai pas été déçue, franchement. Tout le monde est accueillant, même à l'administration. Hein. L'administration, le directeur, il est gentil, il est très, très poli. Même moi, je peux dire que je peux être sa fille, mais quand il me parle, il est gentil, il parle doucement. Les professeurs, tout le monde prennent leur temps pour expliquer bien les choses, pour que les élèves puissent comprendre. Juste après mon bac, on m'a proposé deux pays, le Maroc et le Sénégal. Donc, comme j'aime le pays, automatiquement j'ai dit oui au Sénégal. Arrivé ici, il y avait un frère qui avait aussi fait ses études ici au Sénégal et plus précisément au CREFDES. Il a dit que vu la qualité des études ici, de venir ici commencer. Arrivé, comme j'ai fait la série G, gestion, j'ai commencé ma licence en banque assurance. Voilà, après ça, jusqu'à aujourd'hui, je suis en master. Au début, je me suis dit que c'était un peu compliqué, mais à un moment donné, je me suis senti en famille, ici avec tout le monde. Et voilà, je ne me suis pas senti comme un étranger venu d'ailleurs. Donc, tout le monde m'a bien accueilli. L'administration, les profs, ils étaient bien avec tout le monde, vu avec leur rigueur et tout. Mais malgré tout ça, ça ne m'a pas empêché de pouvoir poursuivre mes études. Et je vois qu'avec cette méthode qu'ils utilisent, je sais que ça pourra vraiment attirer beaucoup d'étudiants à venir étudier ici. On a autour de 300 étudiants.
parce que c'est aussi bien en cours du jour qu'en cours du soir pour le renforcement des capacités des professionnels. Mais comme vous savez, on est un petit institut, disons par rapport en tout cas aux infrastructures. Mais quand même, on a pu véritablement former autour de 1200 diplômés depuis 2004. Nous avons 91 enseignants, dont pratiquement la majorité, c'est des docteurs, c'est des maîtres de conférences CAMES et c'est encore des professeurs titulaires. À côté de ça, donc, on a des professionnels. Parce que comme c'est des formations professionnalisantes, c'est donc dans le secteur de la banque, dans le secteur des assurances, mais c'est également dans le secteur des nouvelles technologies, systèmes d'information. C'est pratiquement dans tous les niveaux. Nous essayons véritablement de mettre en symbiose toutes ces expertises en vue de contribuer, en tout cas, à une formation qui peut permettre à nos apprenants d'être compétitifs sur le marché du travail parce qu'on a toute l'infrastructure. Ensuite, il faut le dire, les diplômes de l'université, notamment de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, une des universités les plus connues en Afrique, pour faire référence, avec une expertise avérée, mais on doit aussi valoriser cela. Je savais qu'en venant ici, j'allais trouver beaucoup de nationalités. Il y a les Béninois, les Comoriens. Il y a beaucoup de nationalités en fait. Quoi. Bon, moi, ça ne m'a pas dérangé. J'ai dit que c'est encore mieux parce que je vais connaître d'autres cultures, d'autres nationalités. Donc, ça m'a fait encore plus plaisir. Quoi. Ça ne m'a pas du tout dérangé. En plus, dans la cour, tout le monde parle français. On essaie de mettre un peu la nationalité de côté pour montrer que nous sommes là. Nous faisons tous un, c'est pour les études que nous sommes retrouvés ici. Ça ne pose aucun problème. L'école, elle fait partie des meilleures que moi je n'ai jamais connues. J'ai vu des écoles, je traite avec certains étudiants, j'ai vu comment ça se passe. Mais celle-ci, elle est vraiment la bonne. Je conseille vraiment aux gens qui sont ailleurs, ici au Sénégal et ailleurs, de venir voir ce qui se passe exactement ici. Et j'avoue qu'on n'a rien à envier aux autres en termes de capacité, en termes d'expertise, mais également de reconnaissance internationale.